Welcome to KLOL, the radio where everything is possible. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que on m'entend. Et est-ce que Stever est avec moi? Stever, do you hear me? Hello. Where are you, guy? Hello. Ok, nous sommes. J'ai préparé mes outils. Nous sommes en direct de Perpignan avec Stever. Environ. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, sur YouTube, là, est-ce qu'on peut me confirmer? Est-ce qu'il y a des gens avec nous? Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? On nous entend bien? Hey, Marlon Bando. How are you doing, dude? Le son, ça va? On entend bien? On entend bien Stever? Tu peux dire quelque chose, histoire qu'il... histoire que je sache que je suis pas tout seul. Si, non, je suis là. Alright, alors ce soir... Ce soir, je vais faire une vidéo que je voulais pas spécialement faire, mais ça a été une demande. Ouais, moi non plus. Voilà, donc voilà, ciao, bonne soirée. Voilà. Donc ça a été une demande sur YouTube, vis-à-vis du premier live. On nous a dit qu'on parlait en termes trop techniques, et qu'on comprenait pas la moitié de ce qu'on disait, et que les gens pouvaient pas regarder la vidéo sans aller sur Google toutes les 5 minutes. Et ouais, donc voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo lexique. Petite note là-dessus, si vous débutez dans le hobby, je sais pas ce que t'en dis, mais moi, pour moi c'est normal de passer sa vie sur des vidéos YouTube et de passer sa vie sur Google toutes les 5 secondes pour... Ouais. Pour moi, si vous débutez, arrêtez pendant qu'il est encore temps. Voilà, merci, bonne soirée. Donc voilà, donc petite vidéo... au programme, on fera un petit lexique, donc j'ai repris la vidéo, je vais faire un petit lexique rapido de tous les termes, je me suis rendu compte que c'était surtout des anglicismes, donc à mon avis, les personnes qui ont commenté, c'était ceux qui devaient dormir au fond de la classe au cours d'anglais, hein. Moi, je sais, toi, là, le petit Frenchie là, qui skippait le cours d'English. Donc voilà, donc on va reprendre, on va faire un petit lexique. C'est le seul cours que je suivais. Donc voilà, on va reprendre un petit lexique. Ensuite, on parlera peut-être, si on a le temps, un petit peu des différentes pièces que compose un petit drone. On va faire le tour, comme ça reprendra un peu les termes qu'on n'aura pas abordés. Et puis surtout, c'est également un question-réponse, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, j'essaierai de suivre et d'y répondre en direct. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hey, salut Didier. Donc voilà, je me suis préparé... Il est où le petit lexique par rapport à la vidéo? Donc c'était la première vidéo sur comment choisir sa radio. Et un des termes qui posait le plus problème, c'était gimbal, qui est un terme anglais. Mais je vais reprendre un petit peu, on va reprendre un petit peu le truc dans l'ordre, voilà. Désolé pour tous ceux qui savent, on sait, vous êtes balèzes, on sait que vous savez. Voilà, là ça s'adresse vraiment aux débutants, ceux qui... Bitait rien à ce qu'on racontait. Donc voilà, juste quelques petits acronymes pour commencer. Tu peux ban Marlon Bando, il dit des conneries, je trouve. Il n'y a pas de cadeau, mais si, Stever, t'avais pas dit que tu préparais un giveaway pour la communauté Noob FPV? Effectivement, mais on a été pris par le temps. En fait, c'est la clé de 14 qu'on voit sur son bureau. C'est ça. Normalement, c'est une clé qui sert à rien, mais au besoin, je la percerai si vous voulez faire un porte-clé avec. Et donc, c'est quoi les termes pour gagner cette magnifique clé anglaise? Non, effectivement, mais au fait, on avait juste balancé le sujet, on n'avait pas mis en place ni les règles du concours, ni quoi que ce soit, ni le cadeau d'ailleurs, on n'avait pas encore décidé ce que ça serait. Mais enfin, j'espère avoir du temps et le faire assez vite avec mes collègues, et du coup, qu'on puisse offrir ça à un abonné. Ah oui, il y a Sébastien, salut Seb, qui nous dit on va préparer ça, donc il y a vraiment un truc qui se prépare. Moi je balançais ça comme une vanne, mais en fait il y a vraiment un truc qui se prépare sur Noob FPV. Donc. Si on avait dit pour les 2000 membres qu'on ferait un petit truc, et on les a dépassés d'un peu plus de 2000 je pense, et oui on fera quelque chose, on va essayer de faire un truc sympa, même si on n'a pas des moyens de ouf, mais bon. Voilà, donc en attendant, si vous voulez remporter une clé de 14 grâce à Stever et à Noob FPV, il faut liker la page Noob FPV, vous abonner à la chaîne YouTube de Stever,
lui envoyer vos coordonnées et il y aura un tirage au sort pour gagner cette magnifique clé anglaise de 14. Ouais, je mettrai mon PayPal dans les commentaires. T'as pas très bien compris le principe d'un giveaway, mais c'est pas très Ah, c'est pas comme ça, c'est pas eux qui payent, merde. Putain. Donc voilà. Bon, reprenons. On va reprendre notre petit lexique bien chiant. Je vais essayer de pas y passer trop de temps. Excuse-moi de Tiens, parler, c'est Stellar. bon, le mec il me dit ouais, on va faire un truc, un live question-réponse, il me dit on va pas perdre du temps à parler, non mais oh. Non, il y a vraiment un giveaway qui va se mettre en place. Ouais. Donc voilà, il y a ton collègue qui est là pour nous rappeler. Alors, Steve, tu nous définis, c'est quoi un UAV? C'est un... Je sais même plus moi. Je sais pas. Ah, J'en sais rien. En plus, tu m'as mis une résolution de merde, mais j'ai excuse-moi du fait, terme, mais j'ai je fait vois exprès. rien à ce qui est écrit, quoi. Je vois rien du J'ai tout. fait exprès. Tiens, Et tu veux voir un peu voilà, mieux? c'est un unmanned. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un. En fait, c'est un. Comment dire? C'est comme un drone. C'est un objet volant sans C'est pilote à bord. un drone en fait. C'est ça. En fait, c'est un drone. Donc, c'est vrai, ce soir, on va parler de drone. Si vous voyez de temps en temps le terme UAV, comme sur la chaîne UAV Tech, ça désigne Unmanned Aerial Vehicle. Ça veut dire un véhicule aérien sans pilote. Enfin, Voilà. non radiocommandé, on va dire. Donc attention au terme parce que ça veut pas juste drone, il faut pas généraliser. Drone, ça veut pas dire multirotor. Drone, ça peut être une aile. Drone, ça peut être aussi un drone de l'armée. Ça peut être Effectivement. aussi le truc qui te balance des bombes sur la gueule En fait, quand. c'est pas défini par le nombre d'hélices, c'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'il ait une hélice ou qu'il en ait 20, s'il n'y a pas de pilote à bord, c'est un drone. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait que ce soit un. Mais par contre, drone, ouais, ça désigne d'office un objet, enfin un véhicule volant qui est piloté soit autopiloté par un ordinateur, soit par un télépilote via une radiocommande. On est bien d'accord là-dessus. Il y a aussi le terme UAS. Hein, si vous avez fait, bien sûr vous l'avez fait. Vous avez dû faire votre petite formation en ligne, la petite formation de la DGTA pour avoir votre petit permis de vol. Et il disait tout le temps UAS, UAS, UAS. Mais qu'est-ce que c'est un UAS? Unmanned Aircraft System. Donc voilà, de nouveau, un système d'aircraft, donc véhicule aérien ou avion. Ça peut pas être un véhicule aérien, il y a écrit Ariel véhicule juste au-dessus, gros malin. Aircraft, Système Air. comment tu traduis aircraft? Avion? Un objet volant. Un objet Oui, tiens. volant, un système d'objets volants radiocommandés. Et aussi RPAS, Remotely Piloted Aircraft System. Ouais, voilà, enfin bref, voilà. RPS, ouais, je connais RPS, mais Tu c'est pas dans le connais ça, même tu cadre. connais l'herpès. Alors, il y a un autre terme, je ne sais pas si je l'ai mis là, je ne sais pas s'il a posé problème, mais c'est vrai que voilà, j'ai passé la vidéo en revue. On disait Tiny, ce qui est faux en fait, vu que c'est un Tiny, abréviation pour Tiny Whoop. C'est quoi un Tiny Whoop? C'est vert, t'en as pas un sous la main là? Non, ça c'était un gros Si, quand même. si, si, bouge pas. Montre-nous un Tiny. Tac. Voilà, donc Tiny, on dirait que ça désigne aéronef aircraft, aéronef. Merci Marlon. Heureusement qu'il y a des gens qui suivent un peu dans le chat, comme Mais ça ouais, sinon. mais il est culturé, ce gars, il est Il est culturé, je le vois, culturé. il écrit des trucs, moi, Et le c'est drone, un c'est bon. un le drone, c'est un faux bourdon. What? Tiny. À partir de en dessous de quelle taille on considérait que c'est un Tiny, tu penses? Bah, au fait, ce que je suis en train de montrer là, c'est même pas un tiny, c'est un toothpick, au fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas de tiny sous la main. En fait, un tiny, c'est un peu plus petit et ça a des protections d'hélice. Et du coup, un tiny, pour moi, c'est jusqu'à 65 mm d'hélice. Donc, légèrement plus petit. Et j'en ai pas sous la main, je les ai tous vendus, dis donc. Tiny Tiny, bah attends, on va demander à Google. Hop, Tiny Whoop. Ah non, attends, ça c'est plus beau la belle page. Mais non, Non, mais de bah. toute façon, un Tiny Whoop, c'est un Mobula 6, par exemple. Ça, c'est un Tiny Whoop. Ouais, donc. Oups. Voilà. Marlon me dit, vous avez rien préparé. On a absolument rien préparé, donc Ah ouais. si tu peux faire avec nous. Ouais. Donc Il voilà. m'a appelé à 20h10 pour me dire on fait un live. Il devait aller en boîte de nuit et puis voilà, finalement il a décidé de sacrifier sa soirée boîte de nuit pour être ici avec vous ce soir. Donc voilà, Tiny Whoop, 65 mm, protection d'hélice et généralement des moteurs à balai, moteurs brushed.
Alors ça, c'est aussi un truc on peut en Bien que parler. maintenant, il commence de plus en plus à les faire en brushless. Un bêta FPV, est-ce qu'un bêta FPV, est-ce qu'un 85, un 95, c'est considéré comme un tiny? 80, non. Non, pour moi, ça tombe au-dessus de 65 avec des protections d'hélice. Pour moi, ça commence à tomber dans les cinéwoop ou dans les whoop. Dans les whoops. Parce qu'il y a aussi, ouais. Attendez, où est-ce qu'il est? Je le prends. Et hop! Il y a des tiny whoop, des whoop et des cinéwoop. Donc voilà, ça c'est un 95. On peut voir que c'est quand même. Ça pour moi, c'est pas un tinir. Ça c'est. Ouais, c'est un whoop. C'est un voilà, whoop. Whoop qui désigne les protections d'hélice. Tout ce qui est caréné. Ouais. Et on a le tout dernier, là, le truc à la mode. Attends, je vais le chercher. Let's go. Pourquoi je sens que tu vas me sortir un Protec? Hop! Désolé, je suis nouveau là. Pourquoi je sens que tu vas me sortir un Protec? Ah non, c'est le. Non, non, mais non, t'es fou. Attends, un Race Whoop aussi. Un Race Whoop. T'en as un, toi? Non, j'ai les pièces, mais je l'ai jamais monté, en fait. Alors, on nous dit un Tiny Whoop, ça dépasse pas la main. Ouais, mais ça dépend de la taille de tes mains. Si t'as des toutes petites mains de. Tu vois, si t'es fini au pipi et que t'as une main, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je disais Tiny Whoop, 65 mm maxi. Ouais, 65, ouais. Et voilà, ça c'est un truc, si vous en avez pas un, il vous en faut un, c'est un Race Whoop. C'est C'est Frizillion pas vrai. qui a désigné ça, mais c'est vrai, arrête. C'est pas vrai, c'est de la daube. Il y a deux plaques de carbone à l'intérieur, il y a tout qui chauffe, le machin il tombe, ça fond direct. Mais Mais achetez pas cette n'importe merde là. quoi. Non mais sérieux, moi je l'ai acheté, je regrette. Il est explosé sur mon plan de travail, je l'ai même pas encore monté. Ouais, mais faut voler avec, faut pas juste taper dessus pour prouver qu'il est résistant, Putain, ça sert à rien. hein. Donc voilà, Whoop. Whoop qui désigne le carénage, tiny, minuscule, microscopique. Ensuite, toujours dans la vidéo sur les radios, je me suis. Voilà. Tout ce qui était les axes, c'est vrai qu'on les a dit en anglais. Donc on va faire un petit effort. On a. Tout d'abord, on parlait de pinch. Et pinch, bon, je me suis dit, est-ce que c'était clair pour tout le monde? On parlait de pinch et de thumb. Donc thumb, c'est les pouces. Hein, donc c'est si vous pilotez. Oups. Si vous pilotez avec les pouces, pinch, pincer, c'est si vous pilotez en utilisant les pouces et l'index. De nouveau, voilà. Ensuite, au niveau de tous les axes, c'est vrai qu'on les a dit en anglais. Je ne sais pas si on les avait dit en français. Mais donc, le throttle, c'est les gaz, donc c'est pour monter-descendre. On a le roll, c'est l'axe de roulis. Donc c'est comme ceci. Le pitch, pardon, c'est le tangage. Le pinch, j'ai écrit pinch. J'ai pas écrit pinch, j'ai écrit pinch. Donc je disais, le pitch, c'est le tangage. Le roll, c'est le roulis, donc gauche-droite. Et enfin, le yaw, gauche-droite, comme ceci. C'est l'axe du lacet. Je raconte pas de conneries, hein, dis-moi. Ça va, jusque maintenant, il n'y a personne qui se plaint. Si, il y a C'est. Marlon qui dit je l'ai pas monté, c'est de la merde. Oui, bah oui, bah oui, forcément, je l'ai pas monté, donc ça peut être que de la merde. Mais quand je l'aurai monté, bah, je changerai peut-être d'avis. De toute façon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Pourquoi on parle de lunettes? Comment on fait quand on a des lunettes? Qu'est-ce que tu racontes, David Coda? Ok, soit. Ensuite, il y a un terme qu'on a beaucoup utilisé dans la vidéo sur les radios. On a utilisé le terme gimbal. Gimbal all sensor et gimbal full size. Et ça, c'est vrai que c'est un anglicisme. Et voilà, il y a des personnes qui sont plaintes de ne pas avoir capté ce truc-là. Bon, en même temps, si on tapait. C'est vrai que si tu tapes gimbal, tu tombes une gimbal en anglais. Généralement, c'est un stabilisateur de caméra. Après, bon, si tu tapes radio Si, si, mais gimbal. gimbal, il faut qu'ils mettent une vraie gimbal sur leur drone et puis du coup la caméra Voilà. sera stabilisée. Voilà. Donc, quand on parle des gimbals pour une radio, ça désigne le stick. Et quand on parle de gimbal full size, donc full size, taille, pleine taille, c'est-à-dire qu'on a tout l'axe de débattement. C'est-à-dire qu'il y a un standard, je sais pas c'est de combien de degrés, plus ou moins 42, je sais, qu'est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Pas Marlon Bando, l'axe de débattement d'un stick standard de radio.
Bah pour moi, c'est... Ah oui. Tu vois cet angle-là, là. J'en ai aucune idée. Mais pourquoi tu es parti chercher l'OSA aussi? Qui se Bah, pose cette question? moi, je me pose cette question, donc voilà. Bah, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui sait, qui va nous le dire. Donc voilà, quand on parle de stick full size, c'est-à-dire que c'est pas des sticks qui ont été rapetissis. Pareil, si vous prenez une radio un peu cheap, c'est possible que les sticks soient plus petits, y a moins de débattement, et donc vous avez moins de précision, forcément. Donc voilà, quand on parle de gimbal full size, c'est-à-dire qu'il y a... voilà, c'est un stick de qualité qui a tout son débattement. En soi, la gimbal stabilise ton drone, donc c'est la même chose. Ouais, on peut le voir comme ça, mais oui, c'est plus pour diriger ton drone en fait. Mais oui, enfin bon, c'est une En fait, gimbal, je pense que c'est voilà, on plutôt sait ce parce que qu'en c'est. anglais, le terme gimbal, ça désigne quelque chose qui est sur au moins deux axes, non? Le 42, ça, enfin, soit. Ensuite, il y avait gimbal hall sensor. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué un peu plus compliqué à expliquer parce qu'on va pas. Ah non, c'est super simple. Je te l'explique en 2 secondes si tu veux. Vas-y. Un gimbal normal, c'est mécanique et un hall sensor, c'est numérique. C'est aussi simple que ça. Moi, je dirais plutôt qu'une gimbal normale, c'est deux potentiomètres. Donc, comme tu dis, c'est mécanique, donc c'est deux résistances variables. Et un hall sensor, en fait, c'est un aimant qui se balade devant un capteur. Donc c'est numérique. C'est, je pense que c'est ce que je viens de dire. Numérique? Est-ce que c'est vraiment numérique? Dès que Ah, c'est signe. électronique, il y a des capteurs. Pour moi, c'est numérique, ça peut pas être mécanique. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça reste de l'électronique assez base, hein, assez basique. Hein, Oui, mais je veux enfin, dire un. l'avantage des Hall Sensors surtout, c'est que ça s'use pas. Voilà. Comparé à des gimbals classiques où il y a un mécanisme et qui s'use avec le temps et forcément on devient moins précis. Voilà. Donc, avantage des gimbal hall sensor, c'est que vu qu'il n'y a pas de friction mécanique, elles vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Par contre, vous pouvez les flinguer avec un aimant. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui avait flingué. Tu vois la pochette à vis magnétique sur le Torvol. Toi, t'as un Torvol ou pas? Qui a un Torvol ici? Oui, j'en ai un, oui, j'en ai un. Oui, il y a une pochette, oui, Il y a pour une les vis, pochette ouais. magnétique. Apparemment, il y a quelqu'un qui a réussi à flinguer une gimbal. Mais c'est une gimbal sur quelle radio? Bref, je sais pas. Je vais pas prendre de risque, je vais dire une Taranis. Bah, je Tu peux, vois, ouais, quoi. mais je... Non, parce que le truc est monté, il est vachement loin quand même. Ou alors il l'a mis dans la poche à côté du truc, parce qu'une Tarani, ça rentre pas là-dedans. Il n'y a rien qui Non, rentre je sais dedans, en pas. fait. Bah, écoute, je sais pas. C'est peut-être des gossips. Il y a Didier qui dit électromagnétique n'est pas égal à numérique. Oui, Ah. c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est des bons, c'est des bons. C'est C'est des dit, bons, tu vois, c'est on des me bons. rattrape. C'est pas Ouais. grave, on est là pour Bon, dire des conneries aussi. ceci dit, on va dire qu'une fois que ce signal, qui Merci, reste les gars. un signal électrique, fatalement il sera converti en numérique pour que la radio l'interprète. Même votre potentiomètre, en fait. Hein, c'est une tension qui sera convertie en bits de données pour que la radio puisse la lire. Enfin, soit là, on chipote. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce qu'on a tout dit sur les gimbals? Ah oui, la RDC 90. Tu te souviens de ce que c'est? Ça me parle, mais je me rappelle plus comme ça de tête. C'était sur la TX16S, Ouh, pas mal, pas non? mal. RDC Ah 98, ceux qui sont avec nous, est-ce que vous savez oh, ce que putain, c'est une RDC 98? 90 ou 98? Gros malin. 90, pardon, 90. Non, Ah parce que bah j'essaie. Je vais te dire 90 et tu vas arrêter de me faire chier, ok? bravo. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler français alors que je suis belge. C'est ça. Voilà, à partir de maintenant, on va dire 70, 80, 90, ok? Voilà. Donc Je me rappelle plus, et en plus c'était moi qui l'avais expliqué, ça je me En rappelle plus, pendant la c'est toi vidéo. qui l'avais expliqué, il s'en rappelle Ouais, pas. je sais, mais je me rappelle pas. Donc voilà, J'ai les. Ah, trou bah de il est là, mémoire. on voit ce qu'il y a dedans, en fait. Oh, quelle lenteur. Voilà, donc ça, c'est un RDC 90. C'est un potentiomètre, à mon avis, parce que ceux qui ont fait de l'électronique, il y a différentes qualités de potentiomètre. Il y a les pistes carbone et il y a les pistes. On dit piste plastique. C'est un autre matériau qui est de meilleure qualité, qui s'use moins, qui fait meilleur contact, qui sont beaucoup plus chers. Et donc voilà, les RDC 90, c'est la Jumper T18 Pro. Vous pouvez l'avoir avec des gimbals. Enfin, c'est marrant parce que la version de base, elle a des halls. Et la version haut de gamme, elle a des RDC 90. Donc en fait, c'est un potentiomètre, mais c'est un potentiomètre haut de gamme qui est un petit peu, on va dire, un petit peu au-dessus des autres.
Des autres gimbals. Je pense qu'on a fait le tour des radios. Non, il y a un terme. Un dongle. Un dongle. Un dongle sévère. Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en aurait besoin? T'as un peu. Je sais pas, au pif, à le mettre sur le PC et puis binder sa radio dessus pour jouer à Vélocitrone. Exactement, bah tu vois quand tu fais un effort. Voilà, donc on en parlait quand on parlait de la. On parlait de la FlySky et de certaines radios qui ne sont pas dotées d'un port USB. Donc avant d'avoir toutes les facilités que vous avez aujourd'hui, hein, c'est-à-dire. Voilà, juste on plug sa radio, ça fonctionne. Il fallait se faire chier à acheter un dongle en USB, qu'il fallait connecter à l'arrière de sa radio, tout ça, enfin bref, Ouais, c'était la préhistoire. c'était la préhistoire. Ils ont trop. Ah, c'est trop facile. Ils sont trop gâtés de nos jours. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que ça raconte? Faut dire 8. Ils détestent quand on dit 8. Non, 8 au lieu de 8. 8. Ouais. 8 ou 8? 8. 8. 8. 8. 8. 800 euros. 800 euros, hein. Si tu veux, je peux parler assis, hein, comme ça on comprendra bien que c'est une chaîne belge. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, bah tant qu'on est dans les radios, c'est vrai qu'on parlait de bindé. Ouais, bindé, c'est tout simple, enfin c'est appairé en français. C'est ça. C'est faire en sorte que la radio et le récepteur communiquent. Donc voilà, nouveau pour les noobs, sur votre radio, vous allez dans le menu, vous avez bind, c'est appairé, et tac, et vous allez devoir, sur votre récepteur, vous aurez un tout petit bouton. Sur chaque récepteur, vous aurez toujours un tout petit bouton. Sur les FRSK, il faut le pousser pendant qu'on met la lipo. Ça, c'est assez embêtant. Donc, il faut presser le bouton et puis vous mettez votre lipo, il se met en bind. Sur le Crossfire, c'est tu peux l'allumer, après tu presses le bind. Sinon, Et. vous utilisez un truc comme ça, il y a un bouton on-off dessus. Ouais, sinon vous utilisez un smoke stopper. Un autre terme on va aborder. Enfin, qu'on peut rajouter à notre petite liste. Ouais, ça sert à arrêter de fumer. Ouais, enfin c'est. Ah, on traduit? Ça s'appelle un fusible en fait. En gros, c'est ça, ouais. En gros, ça s'appelle un fusible ou disjoncteur. Parce qu'en fait, en réalité, c'est pas vraiment un fusible. Parce qu'un fusible, normalement, ça pète. Vous pouvez utiliser un fusible, hein, si vous n'avez pas le truc fancy comme ça. Vous mettez un fusible rapide de 2 ampères, je dirais. Je pense que ça suffit à le protéger. Au moment où vous branchez votre quad. Et comme ça, si jamais il y a un court-circuit, c'est le fusible qui va péter, c'est pas votre carte qui va s'envoler en fumée. Alors il faut un fusible rapide, il faut pas un fusible lent. Parce que sinon, votre carte va péter, vous allez voir votre fusible brûler après coup. Mais sinon, vous utilisez un smoke stopper. Hein, c'est ce petit truc qu'il a sur sa table. En gros, il y a une fiche d'alimentation d'un côté. Vous branchez la lipo d'un côté, vous branchez le quad de l'autre. S'il y a un court-circuit, il y a un espèce de fusible. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un espèce de fusible électronique. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il t'affiche une petite LED rouge. Tu me fais une démo? Tu veux que je te fasse une démo? Vas-y, court-circuite ton truc devant nous. Fais hop. Non, mais t'es pas obligé de le faire, je disais ça. Ah, tiens, voilà. C'est allumé. Et quand tu envoies le jus, il y a une petite LED verte qui s'allume, c'est tout. Et si tu branches et qu'il y a un court-circuit, attends, je vais essayer de foutre une pince dedans. On va faire sauter le truc. Paf! Et Ça passe bam! au rouge. Voilà. Donc là, Voilà. normalement, s'il n'y avait pas le smoke sniper, là, c'est la pince, elle serait. La batterie, elle aurait une cellule de moins. La batterie, elle aurait une cellule. Ouais, mais t'aurais. Franchement, avec une lipo, moi j'ai déjà vaporisé des trucs en métal. Il y a tellement de. Faut savoir que c'est capable de délivrer 150 ampères. Là, il y aurait un truc qui serait parti en fumée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez déjà testé le nouveau Simu avec marqué Couchou partout sur les murs. Non, quoi, c'est le Simu où tu peux mettre les black box là? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Et encore, la FlySky, ça passait pas toujours, fallait installer Smart Pro Plus. Parce que j'avais dû installer Smart Pro Plus, moi. T'as dû installer ça, toi? Non, je jamais rien installé. Alors, expliquez peut-être la différence entre le lien radio RX. La différence entre le lien radio RX et RXFC. Les gens comprennent jamais rien pour flasher correctement et binder. Bah, Qu'est-ce qu'il tu veux dit? dire, bah Marlon, tu veux dire au niveau des protocoles? Ah, c'est le nouveau Simu, c'est IA. C'est quoi? IA Drone.
Yadron Sim. Adron Sim ou Yadron Sim? IA. Ladron. IA Drone Sim, ok. Oui, intelligence artificielle drone. Ouh. Eh ouais, faut connaître les... savoir à quoi ça correspond. Putain, t'as mal préparé ton sujet. J'ai rien préparé du tout, je t'avais déjà dit. Ouais, donc tu disais lien radio RX, RXFC. Bah c'est vrai qu'on peut, on peut toucher un mot des protocoles. C'est vrai que dans la vidéo, on a parlé de ACCST et d'Access quand on a parlé des radios FR Sky. Ouais. FR Sky, attends, je vais... Et en gros, Access. on disait, il me semble que c'était de l'Adobe, mais parce que en fait, FR Sky sont passés d'un seul coup à l'Access, et bah forcément, pour un noob, suivre de passer de ACCST à Access, c'est pas évident. Donc, quand tu as des RX qui sont déjà en ACCST, c'est ça, Ouais, on va ACCST, ouais. revenir, on va pas aller trop vite de nouveau parce qu'on s'adresse vraiment à du Ah oui, noob-noob. mais j'étais en train d'expliquer. Si tu me coupes la parole toutes les 5 Non minutes, mais un comment tu veux que je RX. fais? Un RX, c'est quoi un RX déjà? Explique. Ah mais Ah non, moi j'explique le protocole, t'expliques le RX. D'accord. Donc quand on parle de RX et TX, TX c'est pour émetteur, transmission, transmitter, et RX c'est le récepteur, receiver. Donc, dans le cas d'une radio, dans votre radio, vous avez un émetteur, un TX, pardon, j'ai tapé dans mon micro. Et sur votre drone, vous allez avoir Qu'est-ce que un ça veut dire RX. TX? Je l'ai dit, transmitter. Ah, excuse-moi, je t'écoutais plus. Voilà. Et sur votre drone, ça va être, bon là, je ne l'ai pas encore attaché, ça va être ce petit bitonio-là, le RX, le récepteur. Entre votre radio va communiquer avec votre RX. Et dans le cas d'FR Sky, ils ont changé de protocole au cours de leur histoire. Donc les premières, enfin moi la première FR Sky que j'ai eue, je sais pas s'il y a eu des protocoles différents avant ça, mais ils étaient en ACCST, ACST, ACCST, ACCST. ACCST. Donc voilà, tout simplement il y avait écrit ACCST sur la radio. Et au bout d'un moment, ils se sont fait copier par les Chinois, et les Chinois ont commencé à créer des récepteurs avec Compatible. leur technologie. Donc vous pouviez appairer, binder votre radio avec des récepteurs chinois, qu'on appelait aussi, quand c'était intégré au drone, vous pouviez pas le retirer, on appelait ça un récepteur SPI. Non, c'est ça, hein, SPI, pour les intégrer. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, donc ils en ont eu marre, et ils ont changé de protocole, donc ils ont changé la manière de communiquer entre la radio et le récepteur. Ils ont créé le protocole Access. Et ils ont vendu ça en disant, voilà, c'est le nouveau protocole, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux et tout ça. Non, il y a un avantage, tu l'avais dit la fois passée, c'est tu peux appairer 3 quads, je crois, ou plus, sur un seul modèle dans ta radio. C'est pas ça, au fait. Tu peux enregistrer trois récepteurs sur un modèle et ça te permet de switcher de l'un à l'autre. Comme ça, tu gardes tous tes paramétrages de ton modèle pour, je sais rien moi, au cas où tu es en pleine course et tu crashes ton quad, et ben, tu bascules vite fait sur le deuxième et tu reprends la course. Ouais, c'est ça. Donc, norme, de manière classique, quand on était avec les radios FR Sky, on crée un modèle de drone, enfin voilà, quand vous créez votre modèle, vous appairez un drone là-dessus, pardon, et pour passer un autre, si vous vouliez voler avec une autre machine, ben vous deviez changer le modèle. Tandis que là, avec ce protocole-là, c'est la même chose que le multibind, en fait. Tu t'engages sur un terrain glissant. Vas-y, parle du multibin maintenant. Non, le multibind, c'est le truc. Parce que les autres constructeurs, par exemple TBS, qui est le constructeur de Crossfire. Attends, il y a Marlon Bando qui est en train de dire une connerie. Possibilité de partager ton quad avec un pote. Bah non. Tu Possibilité. partages pas ton quad avec un pote puisque c'est sur une radio que tu mets trois récepteurs et pas sur un récepteur que tu mets trois radios. Si on parle bien de FR Sky, hein. Marlon, tu parles de FR Sky ou tu parles de TBS Multibind? Écris plus vite, s'il te plaît, parce que ce suspense me tue. Non, enfin, SPI, c'est un Il bus lance de un communication. sujet et puis il va boire une bière. SPI, c'est un bus de communication plus rapide que l'ancien I2C. Ah!
Non, mais c'est parce qu'il a la latence du live, donc nous le temps qu'il lise le truc et tout ça. Ah bah ouais, mais qui passe à la DSL, hein, là, Qui s'il passe à sert la d'un vieux DSL. modem, ça marchera pas. Enfin bref, donc on était. Voilà, bref. ACCST, c'était l'ancien protocole, donc manière de communiquer d'EtherSky. Access, c'était le nouveau. C'est le nouveau protocole qui est un peu plus fermé. Donc si vous achetez une télécommande Access, vous ne pourrez plus binder, vous ne pourrez plus appairer. Certains Tiny Whoop, par exemple Beta FPV, des trucs comme ça. Malheureusement, ce ne sera pas possible de les appairer, malgré que c'est un récepteur qui dit EtherSky D8. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, la télémétrie. La musique s'est coupée d'un coup là. Il dit qu'il va chercher l'explication officielle. Ouais. On Mais parlait de télémétrie, donc la télémétrie c'est tout simplement certaines informations que le drone va renvoyer à la télécommande. Hein. Vous pouvez voir la tension de batterie, les coordonnées GPS, c'est à peu près tout en fait. oui, rotor effect, oui, je te confirme, oui, pour Crossfire, oui, mais pour EtherSky, pour moi, c'est pas le cas. Pour EtherSky, c'est une radio et trois récepteurs, et point barre. Ouais, c'est ça, on va y venir dans un instant. Enfin, on peut en parler maintenant en fait, hein. C'est vrai qu'on a parlé de long range et ensuite on a parlé de crossfire et Regarde, R9. il a trouvé un smart share. Mais où est-ce que tu es parti chercher tes infos, toi? C'est des trucs belges, ça. Smart Share, une nouveauté permettant de binder plusieurs radios sur le même récepteur tout en assurant une certification unique pour chaque. C'est la première fois que j'entends ça. En tout cas, pour Ah EtherSky. oui, c'est ça, ouais, donc c'est en sens inverse. Donc avant c'était t'avais une radio, tu faisais plusieurs modèles pour plus. Et là tu peux avoir plusieurs radios que tu peux binder sur le même quad. Donc genre tu peux avoir une grosse radio quand t'es en mode bonhomme. Et si tu veux pas te faire chier et que tu prends une plus petite radio, bah t'as pas besoin de. T'as pas besoin de rebinder, ça fonctionne. Mais donc, on a parlé de Ouais, mais long. attends. Moi, ce qui me semble, là, si c'est pour de l'écolage, c'est pas les radios qui bindent ensemble et qui après ont la main sur le RX. Genre, il faut que les deux elles soient allumées pour que ça marche et ça sert de pont ou une connerie comme ça. Est-ce que ça sert à l'écolage? Parce que pour moi, l'écolage, tu dois sortir avec un câble et tu dois rentrer. Tu sors de la master et tu rentres dans la slave. Tu rentres dans la radio. Tu sors de la radio maître et tu rentres dans la radio esclave pour faire l'écolage. Est-ce que quelqu'un sait si on peut faire de l'écolage avec le Smart Share? Ah non, Smart Share permet de upgrader et configurer le récepteur sans devoir connecter en filaire. Ah oui, ils ont enfin réglé leur souci où tu devais souder ton récepteur à ta radio pour le mettre à jour. C'est ça le. Je pense qu'à mon avis, ça doit être ça le. Ouais, le giveaway, c'est pour toi, Marlon. Oui, donc je termine vite fait le lexique. On avait parlé de long range, c'est pas pour les débutants, hein, comme Tiens, tu j'ai dis. trouvé le giveaway. Voilà. C'est pour Marlon. Je veux dire, Sébastien, on dit ça parce qu'en fait, parfois on lâche des termes comme ça, on lâche des termes techniques, on lâche des anglicismes, on s'en rend pas compte. Et puis pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, bah, il va nous regarder, il va dire, mais de quoi il raconte? C'est quoi un crossfire? C'est quoi un R9? C'est quoi un long range? Donc long range, c'est à partir du moment où vous décidez de voler bien au-delà de votre ligne, enfin, au-delà de votre champ de vision, ce qui est illégal dans la plupart des pays européens, j'ai envie de dire. Ça, Ou c'est du si. mid-range. Pour pas dire que c'est illégal dans tous les pays européens. Mais donc voilà, si vous voulez voler dans les montagnes et tout ça, faire plusieurs kilomètres, on parle de long range. Et en fait, traditionnellement, nos liens de radio, ça se faisait à une fréquence de 2,4 GHz. Et à un moment, il y a des constructeurs. Il faut savoir que plus on descend en fréquence, moins les ondes électromagnétiques vont être perturbées par l'environnement, vont être stoppées par les obstacles naturels. Donc, une onde de 2,4 GHz aura plus de facilité à traverser un obstacle qu'une onde 5,8 GHz, typiquement le signal de vos lunettes, de votre signal FPV. Et donc, pour avoir un signal radio très solide, très stable, certains constructeurs ont commencé à émettre dans les fréquences de 868 MHz et 915 aux États-Unis, 914 si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, c'était les systèmes Crossfire chez TBS et R9
chez FRSky. Et les antennes, vous les reconnaissez tout de suite parce que c'est les antennes type immortalité. Hein, donc vous voyez que, voilà, ça c'est grosso modo la demi-longueur d'onde. Ou je sais pas, enfin bref. Alors que votre antenne 2,4 Go, la partie active, elle aura la taille de. Elle va faire quoi? Genre ça, un petit 2 cm. Donc Ouais, mais il n'y a voilà. pas que ça comme antenne. Il n'y a pas que ça comme antenne, c'est vrai. Il n'y a pas que ça comme antenne. Les antennes de Crossfire, il y a ça aussi. Ah ouais, t'as la petite, ouais. Il y a une toute molle. Ça, c'est les antennes d'origine des Crossfire. Ouais. Donc là, sur cette T'as antenne-là, attends, je vais te montrer. L'antenne d'un côté. Ici. Ouais, l'élément Et actif. un Et fil de masse ici. une masse, ouais. Alors ça, il y a Ça, beaucoup de c'est. gens, il y a beaucoup de gens qui se gourrent. Qui savent pas comment monter cette antenne. Donc elle est, ça, tu vois, droite, pliée, horizontale, verticale. Je vais faire partie des gens qui se gourrent alors parce que moi je la mets et puis je vole. Je m'en fiche un peu au fait dans quel sens elle est parce que de toute façon le Crossfire il est tellement balèze que avant que j'arrive à la limite ou que le RSS bouge, bah, je suis déjà revenu quoi. Ouais, mais non, mais en fait, on va faire un petit aparté là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Donc, votre antenne Crossfire, que ce soit les petites comme il vient de montrer, il faut que l'élément actif soit aligné avec l'élément de masse. Donc, il faut que ce soit sur le même plan, que ce soit horizontal ou si vous arrivez à la monter de manière verticale. En général, on les monte de manière horizontale parce que voilà, c'est plus facile. Et au niveau de votre radio, il faut que l'antenne d'émission ait la même polarisation, enfin, ait le même sens que votre antenne de réception. Donc, c'est-à-dire que si je vole avec mon antenne horizontale, où est-ce qu'elle est? Comme ceci, il faut que mon antenne, tac, soit comme ceci. Il ne faut pas qu'elle soit. Si vous faites ça, tac, vous faites ça, vous perdez automatiquement 6 dB. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je les vois, ils sont souvent avec leur radio comme ça fait plus joli. Stéphane Couchou, dans sa vidéo de test de la Tango 2 où il a fait le CFA 400 mètres, il avait son antenne bien, bien droite, bien gentiment, et il avait une immortalité à l'horizontale sur son quad. Bah, oui, tu perds 6 dB. Alors après, c'est un système qui marche super bien, donc vous pouvez faire n'importe quoi. Moi, j'ai déjà réussi à voler, enfin, j'ai réussi à ramener mon drone alors que j'avais arraché trois quarts de l'antenne. Il restait un petit bout d'antenne comme ça, le drone il vole quand même. Parce que. Voilà, les radios, elles tabassent au niveau des puissances d'émission, c'est assez fort, le Crossfire, et puis le 800 MHz, ça porte beaucoup mieux que le 2,4 Go. Donc vous pouvez faire. Mais voilà, si vous voulez des performances optimum, il faut que vos deux antennes soient dans le même sens. Idéalement, à la verticale, parce qu'évidemment, il faut savoir qu'une antenne, ça émet comme un donut autour de l'antenne. Et toujours le sommet de l'antenne, c'est un point mort. Donc, tac, si. J'ai mon antenne d'émission comme ceci. Et j'ai mon drone qui est. Je vole à côté de moi comme ceci. Là, on est dans le point nul de cette antenne, le point nul de cette antenne. Là, c'est l'endroit où j'aurai la réception la moins bonne. Et si je vole comme ceci, j'aurai la meilleure réception. Évidemment, si on arrive à caser les antennes à la verticale, mais c'est un peu plus embêtant sur le quad, là, on peut voler autour de soi, on n'aura pas de souci, on aura un souci si on passe juste au-dessus. Mais bon, de nouveau, ça c'est en théorie, en pratique, si vous volez pas trop loin de vous, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, vous n'aurez pas de soucis. Attends, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait quelqu'un qui disait à partir du moment où tu as tes lunettes sur les yeux, tu vois plus ton drone. Attends, où est-ce qu'il est? J'ai perdu le. Ouais, mais ça c'est un autre débat. Ça, c'est une histoire de loi, personne ne la respecte, blablabla. Enfin, ça, on peut en débattre toute la nuit, mais bon, on vole tous, Ouais, on fait tous la même c'est connerie. Rako ce qu'il disait du moment où tu mets ton masque FPV sur ta tête, tu vois plus Ouais. ton drone, donc c'est illégal. Ben exactement, en fait, la loi nous dit que si tu peux voler en FPV légalement, mais il faut que tu aies un spotter. Donc tu mets tes lunettes. Et c'est pas suffisant. Il faut que tu aies un spotter et il faut qu'il puisse reprendre la main sur ton vol. S'il ne peut pas reprendre la main sur ton vol, c'est caduc, hein. Ah, ça, je suis pas sûr. Ah, moi je suis certain. Ça, je suis pas Je suis sûr du certain. tout. T'as passé Ah, ton il faut petit t'as qu'il. En passé fait. ton petit brevet là? Oui. Montre-moi J'ai ton petit aussi le brevet brevet. de Télépilote Pro, gros malin. Mais non, non, je t'assure que c'est vrai en fait. Déjà, il te faut un spotter. Mais en Ouais. plus, il faut qu'il puisse lui aussi reprendre la main sur ton vol à n'importe quel moment. Je sais pas, je dis une connerie, tu fais un malaise.
Il faut que quelqu'un reprenne le quad. Oui, mais ça, je veux dire, tu voles en temps normal, tu fais un malaise, c'est pas pour ça. Je veux dire, un pilote d'hélicoptère, il fait un malaise, il n'y a personne pour reprendre l'hélico, hein. Ah si, il a un copilote. Tu dis des conneries là. Ben, pas, il n'y a pas toujours un copilote dans les petits Bah, vols, dans les petits c'est vols qui fait de. Ouais. comme bah, c'est qui fait comme moi en FPV. Il Il est dans fait. Ah oui, l'illégalité. c'est ça, il y a un. Ok. Donc, ça, c'est à Tiens, vérifier. Est-ce que le spotter a. je fais un unboxing en live, hein. Tu fais un Sans unboxing en filtre, live, ça. ouais. On n'a pas Ouais. Jean-Yves de l'école du drone dans les commentaires là qui nous répondent. Ou est-ce que Didier il est plus avec nous là pour nous répondre? Est-ce que le spotter doit pouvoir reprendre la main? Parce que pour moi il faut un spotter, mais il n'est pas obligé de pouvoir reprendre la main. Toi tu dis qu'il faut reprendre la. Il doit pouvoir reprendre la main, ce qui est assez compliqué. Ah oui, c'est assez compliqué, mais c'est pour ça que le FPV, ça reste un truc, entre guillemets, à la con, parce Ouais. que si t'écoutes toutes leurs lois, tu voles jamais, au fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, tiens, question portée de signal, le TBS Tracer. Bien ou pas par rapport au Ouais, c'est Crossfire? pour ça que j'ai sorti le truc. Ah, Bah, tu tu le sauras sais, quand je l'aurai essayé. c'est un tracer que Oui, t'as c'est un sorti. tracer. Ouais. C'est un tracer. Et bah, vous le saurez quand je l'aurai testé, mais comme j'ai pas le temps, Alors, faut commander, il y a eu des tu tests. l'as Enfin, Joshua Bardo, il a fait des tests. Hein. Donc, en fait, c'est vrai que ce que je disais, c'est que globalement, les fréquences, plus on est en basse fréquence, mieux ça porte. Plus on est en haute fréquence, moins bien ça porte. Après, ça dépend aussi de ce que font les constructeurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux systèmes sur les mêmes fréquences. Il y en a un qui aura une portée mauvaise et l'autre qui aura une très bonne portée juste parce que le système a été optimisé. Et c'est vrai que ce que je racontais là, c'était vrai jusqu'au moment où il y a deux nouveaux systèmes qui sont apparus. Il y a eu le système Ghost. Ghost de Immersion RC. Oups, attendez, je vais mettre tac. Donc voilà, ça c'était le Ghost Immersion RC qui a plus ou moins la même portée. Donc on va dire, moi je pense qu'en champ libre ça a plus ou moins la même portée qu'un Crossfire. Après, une fois que tu commences à mettre des obstacles, là évidemment le 2,4 Go aura un désavantage. Par contre, c'est un énorme avantage, c'est que vous l'avez vu dans les mains de Stever, c'est la taille des antennes quoi. C'est des antennes qui font 2 cm, donc elles sont beaucoup plus faciles à planquer sur votre drone et vous en Ouais, mettez deux. Donc vous pouvez les mettre à 90 degrés, vous n'avez pas de c'est des point mort. div... tous les récepteurs, c'est des diversity. Diversity, ça veut dire qu'en fait, tu peux mettre deux antennes dessus. Voilà. Et que si tu perds la réception sur un, bah tu récupères sur l'autre. Ouais. Peu de temps après, je sais pas si c'était une réponse à Immersion IC, mais TBS, merde, pas Racer, le Tracer. TBS, donc le constructeur de Crossfire, donc Crossfire, c'est ce qu'on a sur. Voilà, c'est ce que tout le monde a sur son drone, a sorti le système Tracer, qui est aussi un système en 2,4 Go, donc relativement haute fréquence. Pareil, avec comme par hasard, avec des récepteurs Diversity. Donc, pour rappel, Diversity, deux antennes. Il bascule sur l'antenne qui a le signal le plus fort. C'est le même principe que. On parlait de TX et de RX. Donc, globalement, quand on va dire le RX de son drone, c'est le récepteur de sa radio. Mais ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est de VTX et de VRX. Donc, émetteur vidéo et récepteur vidéo. Ça c'est un récepteur vidéo. Et vous pouvez voir, il y a deux entrées pour les antennes. Et donc ce qu'il va faire, c'est que c'est en fait en réalité dedans il y a deux récepteurs. Et il va automatiquement basculer sur celui qui a le signal le plus fort. Donc si vous débutez et que vous êtes en vidéo analogique, prenez un masque True Diversity. Diversité réel, c'est-à-dire avec deux récepteurs, pas avec. Parce que bon, ils font des espèces de trucs où ils te mettent deux antennes et ils font semblant que c'est du diversité. True diversity. Il va basculer, vous aurez une bien meilleure réception. Du coup, je me paumais. Voilà, j'avais dit pour le tracer. Alors, le 2,4 Go a un avantage, c'est qu'il est plus rapide. Vous pouvez mettre plus de monde simultanément, parce que la bande passante est plus large. Le crossfire, quand tu es beaucoup, tu commences à avoir des micro fail-safe. Je sais qu'en course, ils se plaignent d'avoir des micro fail-safe, surtout en Europe, parce que la fréquence est encore plus basse qu'aux États-Unis. Et donc voilà, donc Tracer, c'était un peu cette réponse à la vraiment plutôt orientée course, mais ça garde quand même une super portée. Moi, si j'avais pas acheté la Tango 2, je passais sur Tracer directement, à mon avis. Qu'est-ce que ça raconte d'autre? Oui, Rakos, c'est Rakos hein, le nom. Oui, il y Ouais. a deux antennes en T, ouais. Rapid fire, c'est Ah oui, bon. Il y a Rakos, il d'autres disait du questions? coup c'est bête que ça pivote sur la Tango 2. Bah non, c'est super intelligent.
Ça dépend, ouais, tout dépend comment tu vas le mettre sur ton quad, au fait. Parce qu'il y en a qui le mettent droit, il y en a qui le mettent à plat, enfin bref. Ouais, c'est-à-dire que si tu... Bah évidemment, si tu peux avoir un drone, tu vas la mettre à l'horizontale, donc tu switches ton antenne à l'horizontale. Mais si un jour tu veux... Yo Romain, si un jour tu veux mettre une antenne à la verticale sur un de tes quads pour... Parce que pourquoi on les met à l'horizontale? C'est pour pas les exploser. Parce que quand tu voles, tu fais de la race devant toi, t'en as rien à foutre de voler à 3 km, il te faut un truc fiable. Mais si tu veux un jour te faire un quad pour voler très loin, bah, t'as plutôt intérêt à mettre ton antenne à la verticale. Et donc si ton antenne sur ta radio elle est fixe et qu'elle pivote pas, ça sera pas très confortable de... Enfin voilà, t'imagines, ouais je fais du long range, je suis obligé de voler comme ça parce que sinon je perds 6 dB et je perds le signal. Pour Alors répondre tiens. à le... Comment il s'appelle? Le Zartsvert. Non, Zartsvert. avec un Rapid Fire, tu augmentes pas le signal vidéo, tu augmentes la réception du signal vidéo. Donc, a priori, enfin, tu augmentes. C'est un grand mot. Il va plus facilement choper sur l'antenne qui réceptionne le mieux. Mais après, à toi d'avoir un VTX qui envoie la sauce si tu veux aller un petit peu plus loin. Alors le petit aparté alors sur le Rapid Fire parce que c'est donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais le montrer le Rapid Fire. Le Rapid Fire, il y a quand même une particularité, mais ça c'est je sais pas exactement comment ça fonctionne parce qu'évidemment je pense qu'ils gardent leur magie, mais il y a quelques récepteurs vidéo. Donc ça c'est des récepteurs vidéo hein, que vous venez enclencher, plugger dans vos lunettes Des analogiques, VRX. des VRX. Le signal vidéo, c'est un signal entrelacé. Donc chaque image va s'écrire de haut en bas, comme ça, une demi-image sur deux. Enfin, c'est des demi-images qui s'entrelacent comme une vieille télévision. En fait, il y a dans le signal vidéo, il y a ce qu'on appelle un signal de synchro. C'est pour que l'appareil qui émet et l'appareil qui reçoit soient sur la même. Soit synchronisé quoi, c'est-à-dire que l'image, il sache que voilà, le début de l'image il est là, parce que sinon vous aurez une image décalée. Et d'ailleurs, ce qui se passe quand vous perdez le signal vidéo, c'est que de temps en temps, prout, vous avez l'image qui balaye, qui se décale, qui devient en noir et blanc et tout ça. C'est parce que dans le signal vidéo, il y a plusieurs choses qui sont encryptées ensemble. Il y a le signal de, donc il y a le signal de luminance, la clarté, les couleurs. C'est encrypté à part, et la synchro. Et donc en fait, ces trois signaux qui sont encryptés l'un dans l'autre. Je sais pas si... Bon, de toute façon, ça sert à rien que j'essaye d'expliquer, ça c'est beaucoup trop compliqué. Moi j'avais ça à l'école, ça m'emmerdait comme Ouais, pas t'es parti possible. un peu loin là, je Je suis pense. parti un peu loin, mais bon bref, en gros, là où je voulais en venir, c'est quand vous perdez la vidéo, il perd la synchro et donc vous avez l'image qui balaye de haut en bas. Le Rapid Fire, je sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils ont un système qui reconstruit la synchro vidéo dedans. Donc à Ouais, c'est mon ça, en fait, avis. ils combinent, c'est comme les anciens Clearview, là, ils combinent en fait les deux images pour créer un semblant d'image propre, pour qu'au moins tu puisses voir des formes et puis revenir, quoi. Ouais, mais c'est assez incroyable parce que c'est. Il faut que dans le c'est pas possible. Il faut que dans le Rapid Fire, il y ait un truc qui te donne du signal de synchro. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à régénérer du signal de synchro vidéo qui vient taper sur le restant de signal dégueulasse qu'il a. Et du coup, en fait, vous avez les couleurs qui foutent le camp, mais vous avez plus la vidéo qui balaye. Et il y a deux récepteurs vidéo qui font ça, le Rapid Fire et le Pour moi, c'était le seul. Hein. non, il y en a un autre qui fait de la c'est quoi les c'est T'as le mince fusion, le fu le t'as fusion le c'était de qui le fusion? TBS, t'as le Foxeer, sinon. C'était le Foxeer, ouais, je pense. C'était quoi Foxeer? C'était le Whitefire, non? Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que le Wildfire, il a. Je pense que le Wildfire, il a aussi. Bref, il y a quelques récepteurs sur le marché qui ont cette technologie de resynchronisation de vidéo. En tout cas, le Rapid Fire, c'est sûr. Et à mon avis, ouais, pour les autres, je suis pas sûr, donc je vais éviter de. Je vais éviter de. Wild machin. Wild machin, Foxia. Tout à fait.
Est-ce qu'on a fait le tour de, est-ce qu'on a fait le tour de notre petit glossaire parce que je vois le temps qui passe. Télémétrie, OSD. De toute façon, on s'en fout, le live, on a dit, il dure jusqu'à 2 heures. Ah non, tu dois aller en boîte de nuit, toi, après. Ah, mais c'est mort, j'ai plus envie là. Ah ouais. Le Clearview. OSD. On parlait d'OSD, c'est on-screen display. Donc c'est C'est tout ce qui apparaît sur l'écran dans votre masque tout ou ce vos qui apparaît lunettes. dans l'écran de votre sur l'écran de votre écran, de votre récepteur vidéo, ou dans vos lunettes si vous utilisez des lunettes. Donc c'est les informations, la tension de la batterie, est-ce que votre quad est armé, les modes de vol et tout ça. Donc tout ce que vous pouvez afficher dans l'écran, c'est on-screen display, donc l'affichage sur écran. On parlait de radio et de récepteur, on a parlé de failsafe dans la vidéo. Donc un failsafe, c'est... Hey, salut Phil! Un failsafe, c'est tout simplement quand vous perdez la liaison entre la radio, enfin plutôt quand le drone perd la liaison avec sa radio, c'est comment il va réagir. C'est pour ça qu'on dit toujours, et un des premiers trucs qu'on dit, c'est ouais, configurer votre failsafe. Donc vous avez un onglet failsafe dans Betaflight, par exemple, où vous lui dites qu'est-ce que tu fais en cas de failsafe, et le truc le plus safe, est-ce qu'on va vous demander si vous faites de la course? C'est de prouver que votre failsafe fonctionne, c'est-à-dire vous coupez votre radio et il faut que vos moteurs s'arrêtent. Parce qu'il faut, voilà, on part du principe que si vous perdez la transmission de la radio, il y a un mode, vous pouvez choisir ce qui fait. Vous pouvez assigner une voix, vous pouvez lui dire quand tu perds le lien de la radio, tu mets full throttle. Et donc tu coupes ta radio et pouf, le truc il part au ciel. Donc, failsafe, vous le mettez sur désarme pour que les moteurs se coupent. Donc vous faites le test, hein, vous armez votre drone sans hélice, vous coupez la radio, il faut que les hélices, faut que les moteurs s'arrêtent de tourner. Comme ça vous êtes sûr que si vous perdez le signal, pouf, il tombe, au moins vous blessez personne. Après, si vous avez un GPS sur votre drone, vous avez le mode GPS Rescue, ou GPS Return to Home, donc retour maison ou sauvetage. Et là, en fait, si vous activez l'interrupteur ou si vous perdez le signal radio, le drone va prendre une altitude, comme un DJI, il va prendre une altitude prédéfinie, hein, par exemple 100 mètres, et ploups, il va plus ou moins revenir vers vous. Et dans Betaflight, je crois qu'il s'écrase plus ou moins comme une merde près de toi. Je crois qu'il te redonne la main au bout de 100 mètres ou un truc comme ça. Je sais plus, faudra vérifier. On a parlé de radio multiprotocole aussi, mais ça je crois qu'on avait défini. Donc radio multiprotocole, c'est tout simplement une radio que vous pouvez appairer avec pratiquement tous les récepteurs de sa catégorie sur le marché. Hein, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir appairer avec du FR Sky, avec du Fly Sky, mais pas avec du Crossfire, pas avec du Ghost, pas avec du Tracer. La T18 peut s'appairer avec un R9, mais bon, soit ça, on va. On a parlé de BJR dans la vidéo, mais ça, je pense qu'on avait défini ce que c'était. La BJR, c'est tout simplement le trou que vous avez à l'arrière de votre radio pour connecter un module. Donc, quand on parle de Crossfire, quand on parle de R9, ce sont des modules en fait. C'est un add-on, c'est un truc que vous achetez. En plus, hein, vous avez déjà claqué toutes vos petites économies pour vous acheter une radio, ben c'est pas fini, vous devez encore acheter un module que vous allez Un utiliser. module qui coûte 2 fois le prix de la radio. Qui peut coûter. Ouais, c'est vrai que si t'as une radio un peu cheap, le gros TBS Crossfire, ça coûte 2 fois la radio. Ouais. Donc ça, c'est la BJR. Le multi-bind. On a parlé de bind, on a parlé de multi-bind. Donc le multi-bind dans le cas des Fair Sky, c'est la possibilité de binder. Plus, ouais, je sais pas, je sais plus. Moi, En je. récepteur à la radio et a priori Marlon disait qu'il y avait un cher mais ça j'ai jamais testé Ouais, et voilà, bah c'est la possibilité de chez binder soit plusieurs. Mais déjà, avec Crossfire de base, en fait, sur un seul modèle, un seul modèle dans ta radio, tu peux binder plusieurs récepteurs. Hein, donc, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes en Crossfire, vous n'avez pas besoin de créer plusieurs modèles. Le multi-bin, du coup, c'est plusieurs radios sur un modèle, un récepteur. Ouais, moi, ça m'embrouille tout autant, en fait. Donc, de base, un récepteur, une radio. Access, plusieurs récepteurs sur une. Trois récepteurs sur une radio. Crossfire, plusieurs récepteurs sur un seul modèle dans la radio. Multi-bind, plusieurs radios sur un seul TBS
RX. Ah, t'es en train de me rappeler, tu peux mentir 1000 fois à une personne, mais tu peux pas mentir une fois. Non, 1000 fois à 1000. Non, c'est comment déjà? Ouais, voilà, c'est plus ou moins ça, ouais. Ensuite, on va. Ah oui, tant qu'on était dans les radios, on parlait de 18650. Peut-être que les gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est une 18650 et une 18500. C'est les batteries que tu as dans les vapoteuses, là, les gens qui fument de la fumée artificielle. Ils ont des piles dedans et c'est ces piles-là, en fait, et souvent, elles sont compatibles avec nos radios. En tout cas, avec un petit boîtier que tu peux mettre dans la radio, tu rajoutes les piles dedans, enfin les batteries dedans, et du coup, ça te permet de ne pas être obligé tout de suite, je sais pas, d'acheter une lipo ou une batterie spécifique, quoi. Donc, les 1850, en fait, c'est ça, c'est une cellule lithium-ion. Donc, la lithium-ion, c'est ce que vous avez dans la plupart de vos appareils. Je pense que le sol d'une voiture Tesla, c'est que ça. C'est que des cellules lithium-ion, je crois. Mais je sais pas si c'est des 1850. Donc, quand on parle de 1850, c'est ce modèle, cette taille de lithium-ion-là. Quand on parle de lipo, ce sont des batteries lithium-polymère. Donc, les batteries lithium polymère qu'on utilise sur nos drones font partie de la grande famille des batteries au lithium-ion. La différence entre le lithium-ion et le lithium polymère, c'est que l'électrolyte du lithium-ion est liquide, alors que l'électrolyte du lithium polymère est pâteux. C'est pour ça que vous pouvez, enfin pâteux, gélatineux. C'est pour ça que vous pouvez le mettre dans un sachet, alors qu'une lithium, ça va être dans une coque solide. En fait, on a tendance à l'oublier, mais elles sont tout aussi dangereuses. C'est pour ça qu'elles sont dans une coque solide, parce qu'il faut surtout pas perforer une lithium-ion, sinon ça prend feu ou ça explose. Ça, c'est utilisé dans les appareils électroniques, c'est utilisé dans les vapoteuses, et ça peut être utilisé dans vos radios. Et alors, la 1850, c'est la plus répandue, mais attention, la Taranis X-Lite, elle utilise des 18500, qui sont beaucoup moins standards et beaucoup plus chiantes. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Elles sont plus courtes et plus chères. Elles sont plus courtes et elles sont plus chères. Bon, là, c'est deux paires. Ouais, mais je pense qu'elles sont plus chères parce que juste elles sont moins répandues. C'est plus tu crées un Chez truc. Studio Sport, elles sont à 10 balles la batterie, quoi. Ouais, c'est plus ou moins le prix ici. Ouais. Alors que les 1850, vous pouvez les trouver jusque 4. Entre 4 et 8 euros. Alors, Rako, s'il nous dit fail-safe, c'est pour la radio. Et le washout, c'est pour le masque. Parce qu'on parle de washout pour la vidéo. Je suis pas sûr. Non. Washout pour moi c'est le drone qui entre guillemets descend dans son remous, Ouais. dans son propre flux d'air et il est balancé de tous les côtés en fait. Voilà. Donc, dans. Bah, voilà, il l'a dit. Il y a deux trucs. Quand vous m'entendez, et puis, enfin, voilà, parfois on a tendance à. Moi, parfois, je fais la confusion aussi. Quand on tune un quad, on parle souvent de prop wash et de washout et de yo washout. Le prop wash. C'est un phénomène, c'est très difficile enfin, on se bagarre tous contre ça, c'est très difficile de s'en débarrasser complètement, mais c'est quand on revient dans son. Quand on revient dans. Le drone revient dans son flux d'air, donc si vous faites un virage à 180 degrés, ou si vous laissez tomber à plat. Et c'est une oscillation, c'est quand le drone corrige et surcorrige, donc il est dans sa turbulence d'air. Il corrige et surcorrige, et il n'arrive pas à corriger assez vite pour se stabiliser, et du coup il part en oscillation. Donc en fait, vous allez le voir, vous allez faire le vide, et ça va faire. Pour lutter contre le prop wash, ça va dépendre beaucoup du filtrage. Je vais pas rentrer en détail maintenant, mais de manière globale, pour lutter contre le prop wash, il faut que le contrôleur de vol puisse réagir de manière très vite, donc faut baisser le filtrage. Ou faut augmenter le D. Ça, on va parler des PID. Je sais que Philippe, il aime bien les PID. Donc pour lutter contre le. Retenez juste deux choses pour l'instant. On reviendra plus en profondeur après. Lutter contre le prop wash, il faut baisser le filtrage. Ou augmenter le D. Et le prop wash, ça fait des tremblements sur la vidéo. Bah, tous les washouts font des tremblements sur la vidéo. Le washout, c'est quand on décroche sur un dive. Ouais, c'est ça. Le washout, c'est vraiment quand le quad n'a pas assez de. Il n'a pas assez de puissance pour se rattraper. C'est-à-dire que vous arrivez d'un dive, et là, au lieu de stabiliser, d'avoir un petit peu d'oscillation de prop wash, donc ça ferait pchit, il va faire bébé, 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 et soit si c'est un tiny whoop, il va carrément tomber,
Vous avez un coin qui va se barrer, et quand vous regardez les logs, vous voyez qu'il y a un moteur qui tournait à fond, et en fait, il n'avait pas assez de puissance pour se rattraper. Du coup, c'est vraiment ce truc qui fait tchut tchut tchut. Enfin, quand il tombe à plat, il a du mal à se stabiliser. Et le yaw washout, ça, c'est quand vous faites un virage très serré, et que vous avez un coin qui tombe. Hop, ça va faire ça. En fait, c'est tout simplement que le drone tourne. Et pour tourner, en fait, je sais pas si vous le savez, hein, vous devriez le savoir. Mais donc pour se maintenir en l'air, on a les quatre moteurs qui tournent, ces deux-ci tournent en sens opposé. Et pour faire une rotation, le drone va accélérer deux moteurs sur quatre et décélérer deux moteurs sur quatre. C'est comme un. Enfin voilà. Donc si vous avez ces deux moteurs-là qui tombent en panne, votre drone il tournerait comme un fou sur lui-même parce que l'hélice, elle émet une force sur tout le poids du drone. Et donc pour tourner, c'est deux hélices qui accélèrent ou qui ralentissent. Évidemment, il y a une certaine limite. Et si vous lui demandez de tourner trop vite, il atteint sa limite physique. Et bloups, il y a un coin qui tombe. Donc, prop wash, les petites oscillations, baisser le filtrage, augmenter le dé, le washout. Pas vraiment de solution, augmenter la puissance moteur. Donc moteur plus puissant, hélice avec plus de pas, ou augmenter le moteur timing, réglage de essai, augmenter le moteur timing, ou augmenter le ramp-up power, ça aide un petit peu. Et yaw washout, c'est les ducts qui jouent beaucoup, donc malheureusement si vous avez des ducts, vous avez souvent du yaw washout. Augmenter le ramp-up power, et de base il est à 50% dans BLLI. Essayez entre 75 et Stern, il le met jusqu'à 150%. Là, j'en donne des détails techniques, mais c'est pour ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure. On leur raconte plein de trucs qu'ils savent déjà. Donc voilà, comme ça, ils repartent avec une ou deux petites astuces à réfléchir. Quand on perd la vidéo, ça a un nom. Est-ce que ça a un nom quand on perd la vidéo? Un blackout. Un blackout? Bah ouais. Ah. Est-ce qu'on a fait le tour de. Putain, finalement, ça aura pris le temps. Hein. Ouais, dans la vidéo. Bah, c'est vrai que dans ce qui compose un drone pour les noobs, vraiment vite fait. Après, on va voir si encore. Si, hein, on va tout doucement passer, parce que ça va être bientôt la fin. On va passer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. Ah, je vois. C'est quoi les pids? Stever, t'as un œil sur les commentaires, toi, ou pas? Oui. Ok. Moi, j'explique deux, trois trucs, tu fais un tour, tu vois s'il y a des questions intéressantes. Bah, j'ai regardé et puis je pense qu'on a répondu à pratiquement tout. Après, Ouais. c'est certes, il y a aussi beaucoup de Ouais. réponses rapides, mais il y a des sujets, on pourra en parler pendant des heures. Parlons pendant des heures. Pour les noobs, je fais vite fait un petit topo sur ce qui constitue nos drones. Le châssis, frame en anglais. Les moteurs. Sans balai. Donc c'est-à-dire que c'est contrairement à des Attends, moteurs à balai, attends, attends, j'ai une brushless. question là. Comment prévenir un blackout sur l'OSD? Je comprends pas la question en fait. Ah, tu C'est quoi, perds c'est l'OSD, tu tu perds l'OSD, c'est ça? perte de l'OSD? Bon, attends, le temps qu'il réponde, parce que faut dire, il y a le temps qu'il chope le truc avec ma connexion internet, à mon avis, avec la tienne. Il doit y avoir quelques secondes. Je finis le petit tour du lexique du drone. Donc j'en étais au moteur. Brushless, ça veut dire qu'il n'y a pas de balai dans le moteur. Contrairement aux vieux moteurs, les vieux moteurs DC qui ont besoin que deux fils, c'est des moteurs à balai. Nous on utilise des moteurs sans balai. C'est des moteurs en triphasé en fait. C'est pour ça que vous avez trois fils. Ensuite, ces moteurs sont contrôlés par l'ESC, Electronic Speed Controller. Contrôleur de vitesse électronique. C'est le commutateur en fait. Ça va commuter, ça va co pff, commuter, ça va commuter, commuter le triphasé au moteur. Ça va leur permettre de les faire tourner. Cet ESC, il est relié à la FC, Flight Controller. Contrôleur de vol. Comme ça, là, je fais une petite pub pour. Ah non, elle est à l'envers. Une kiss. Voilà. Vous avez différentes cartes avec Ouais, achetez pas du kiss surtout, non, je c'est t'ai de la pas merde. dit. Ensuite,
VTX, émetteur vidéo, ça c'est un VTX numérique, c'est le DJI, mais voilà, si vous pouvez utiliser des VTX analogiques qui sont beaucoup plus petits que ça. À ce VT, vous allez avoir une caméra FPV, une antenne. Sur les antennes, on parle de LHCP ou RHCP, Left Hand Circular Polarized ou Right Hand Circular Polarized. Oh my God. Oh my god! Donc ces antennes, elles ont une polarité, comme j'en parlais tout à l'heure, entre la radio et le récepteur. Elles ont une polarité, c'est-à-dire que le signal va partir comme un peu en tire-bouchon, on va dire. Il est polarisé, donc il a un sens. Il faut respecter le sens entre votre antenne d'émission et votre antenne de réception, sinon vous perdez beaucoup de dB. Je ne sais pas c'est combien, mais à mon avis, plus que 6 dB. Donc, ça a pas. Vous pouvez faire ce que vous. Enfin, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez voler en L. Vous pouvez. Donc, en DJI, c'est des L, left hand. Donc, c'est polarisé vers la gauche. En analogique, on volait en R, en right hand. Peu importe, mais il faut que sur vos lunettes et sur votre quad, vous ayez la même polarité. Si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionne pas. Les antennes, on va avoir des connecteurs. Les tout petits connecteurs. On va parler de UFL. Bon, ça, je vais. Attends, ça, je vais le montrer à l'écran. Au niveau des connecteurs d'antenne, on va voir les connecteurs Attends, UFL. je te coupe juste 2 secondes pour répondre à une question là. Vas-y. Quand je pars en cruising, il faut que je regarde mon lien RSSI ou LQ pour savoir quand ça va glitcher trop fort. En fait, ça n'a rien à voir. Ton RSSI ou ton LQ, c'est ton signal radio. Donc, à pas confondre avec ton signal vidéo. Ton signal vidéo, t'as pas d'alerte à part le fait que ça commence à glitcher en analogique et que là il faut faire demi-tour. Chez DJI, généralement, t'as le focus mode qui se met en route et à un moment donné, ça fige direct et là t'es dans la merde parce que dès que ça passe en noir, bah il lui faut 4 ou 5 secondes le temps de revenir et bah généralement t'es par terre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le signal RSSI ou LQ, comme tu l'as si bien dit, c'est pour le lien de la radio, donc les commandes. Nous n'avons pas de RSSI pour la vidéo. On a un indicateur de qualité, hein, de temps en temps. Je veux dire, dans les DJI, t'as 4 petites barres comme un signal Wi-Fi. Dans certaines radios analogiques, on l'a aussi, hein, dans les Ishin Tiens, EV200, ils l'ont aussi. il repose une autre question. Je pense qu'en fait, qu'il confond le signal vidéo et le signal radio. Alors, il dit, je suis analogique, j'ai compris qu'en ayant de meilleures antennes, j'améliorerais ma réception. Il faut savoir qu'il faut que tu mettes une bonne antenne vidéo sur ton quad et que tu aies de bonnes antennes sur tes lunettes ou ton masque. Après, en ce qui concerne la radio, bah, c'est souvent l'antenne d'origine et puis bah, l'antenne de ta radio. Philippe nous dit, tu peux aussi mettre des antennes linéaires, ça fonctionne super bien en plein air. Donc, c'est vrai que je parlais des antennes vidéo. Une antenne. Pom pom pom. En fait, je sais plus où j'avais lu que les antennes, en fait, plus étaient petites, plus ressemblaient à des petites antennes lollipop et meilleur le signal était, en fait. Et quand c'est des antennes style, tu sais, avec les grandes boucles, là, ce qu'ils appellent les pantalopes, là, ou je sais plus quoi. Les Cloverleaf. Ouais, voilà, les Cloverleaf, celles-là, elles sont plus adaptées à la réception. Parce qu'elle chope un plus large signal. Enfin, j'avais lu ça quelque part, je sais plus où, je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, je sais que plus l'antenne est petite et plus le signal est concentré, en fait. Si tu mets une Cloverleaf sur un drone, ça a tendance à se dissiper un peu plus. Donc les Cloverleaf, c'est celle-là. Hein. Je sais pas si. Il veut pas. Ce bâtard, il veut pas me l'ouvrir. Attendez, Adblock Moi, de c'est pas merde. grave. Ouais, moi, ça me va bien sur des lunettes. Voilà, Mais donc ça, c'est plutôt ce qu'on va mettre en réception. Ouais. Et Et en les émission. lollipop. En émission, vous allez plutôt mettre Voilà, des petits trucs comme ça, ouais. ce type-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les antennes polarisées. Oui. Après, vous avez d'autres catégories d'antennes. On a l'antenne, Philippe en parlait, on a l'antenne linéaire. Donc ça, c'est l'antenne la plus classique, celle que vous avez sur votre modem Wi-Fi. Donc ça polarise pas l'onde. Donc on en parlait tout à l'heure, je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails là, je vais perdre tout le monde. Mais en fait, c'est le sens dans lequel l'antenne balance le signal. Est-ce qu'elle va balancer comme ça ou comme ça? Et les circular polarized, en fait, ça balance l'antenne de manière circulaire.
Vous faites ce que vous voulez, il faut que ça matche. Donc c'est mieux. Enfin, ça fonctionne, hein, si vous avez une antenne, vous pouvez les mélanger, ça va fonctionner. Hein, c'est juste que vous perdez un peu d'intérêt. Donc sur un Tiny Whoop, sur les tout petits drones en général, il n'y a pas de grosse antenne. C'est des toutes petites antennes, c'est un bout de fil l'antenne. Donc en fait, en théorie, vous aurez une meilleure réception si sur vos lunettes, vous mettez des antennes linéaires. Et comme il disait si bien, les antennes linéaires, ça marche bien en extérieur. Parce que il y a moins de réflexion sur les parois. On a fait des antennes polarisées parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des réflexions sur les parois. Et en fait, une onde, quand ça réfléchit contre une paroi, ça revient en opposition de phase. Et deux ondes qui sont en opposition de phase, ça s'annule. Et donc vous avez des pertes. Enfin, voilà. Donc en fait, quand une onde rebondit, potentiellement elle peut s'annuler. Tandis que quand elle est en polarisée, quand elle est en tire-bouchon, il y a beaucoup moins de chances que quand elle rebondit sur la paroi, elle s'annule. Non, mais C'est par aussi. contre, elle a tendance à changer de sens. Si c'est une RHCP, quand elle rebondit, elle revient en LHCP. Ouais, c'est possible. Tu me poses une question. Mais est-ce qu'elle s'annule du coup? Non, elle s'annule pas. C'est Elle juste qu'elle s'annule revient pas, mais tu l'as. Ouais. dans une autre forme. Ouais, mais c'est encore. Ouais, mais l'onde linéaire, c'est encore pire parce qu'elle, elle s'annule. Donc, c'est-à-dire que Ça, c'est... Oui, c'est vicieux. ton onde de base, elle n'existe plus non plus. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies une onde qui va comme ça, elle rebondit sur le mur qui est là, elle revient comme ça. Si tu es en linéaire et qu'elle s'annule, c'est fini. Là, tu as un nœud. Enfin, tu auras des nœuds et des ventes. Donc, tu vas avoir des zones de gonflement et des zones de nœuds où c'est nul. Donc, si tu arrives ici, tu as une réception de merde. Tandis que les ondes circulaires. Ça va rebondir contre la paroi. Ok, certes, ça peut changer de polarité, mais au moins, ça va pas s'annuler au passage. C'est juste ça. Mais bon, ça. Ceci dit, les parois en béton, ça reste la merdasse. Hein. Je veux dire, si vous voulez aller voler dans un parking, vous allez voir, vous allez comprendre votre peine. Il y a pire que les parkings, hein, les gymnases. Les Souvent, gars, vous c'est nous fait avec perdez des... là. Ok, on est parti. On Et est parti trop loin. On est parti trop loin. C'est bon, les... je. Non, mais juste pour revenir vite fait sur l'histoire des antennes, là, quand tu es en gymnase, comme les gymnases, souvent, c'est fait avec des grosses poutres métalliques. Ah, généralement, tu fais en analogique, tu fais 20 mètres et ta vidéo, elle dégage. Ouais. Donc, attends, qu'est-ce qu'elle a là? LHCP ou RHCP, droite-gauche, faut respecter sur le drone et sur les lunettes, ouais, ça on avait dit. Donc, si je suis en linéaire, je dois pas mettre à côté d'un mur pour voler. De toute façon, faut pas que tu te mettes à côté d'un mur pour voler, j'ai envie de dire. Parce que tu vas avoir des réflexions. J'ai Viper FX avec Diversity. A priori, il est équipé de deux antennes linéaires, mais j'ai badé sur la distance que je pouvais faire avec mon Tiny Hawk cet après-midi. C'est quoi ça? Il peut... C'est Enfin, quoi? à part les antennes linéaires sur ce masque-là, il me semble que tu mets des patchs ou des trucs comme ça, et ça sera un peu plus, ça sera directionnel. Donc, il faut pas que tu passes derrière toi, mais quand tu seras en face de toi, tu risques de choper un meilleur signal, je pense. Ok, Fait, le d'accord. mieux, c'est de mixer un patch et une antenne normale. Ouais. Donc en fait, quand vous avez un diversity avec deux antennes, comme ça, c'est valable aussi pour n'importe quel appareil. Hein. Quand vous avez deux antennes, le principe, mettez-les à 90 degrés l'une de l'autre. Donc faites pas comme sur l'image là. Parce que le nul de l'antenne, il est au sommet. Donc en fait, vous avez intérêt à les mettre en V. Comme ça, quand on est dans le nul de l'une des deux antennes, l'autre capte. Donc là, le chinois, là, il a tout faux. C'est pas comme ça qu'on met des. C'est pas comme ça qu'on met en diversity. Ouais, mais le mec, il est payé pour prendre la photo. Voilà. L'autre stratégie, si on en a parlé, c'est on met une antenne directive. Dans ce style-là. Donc ça, c'est une antenne qu'on met uniquement à la réception. Parce que si vous le mettez à l'émission, bah, vous émettez que dans un sens. Donc ça veut dire que vous faites un virage, vous perdez la vidéo. L'autre solution pour augmenter la portée, c'est vous mettez une antenne patch. Voilà, c'est les grosses antennes plates. Donc ça, c'est une antenne qui a une très forte réception devant elle. Pratiquement nulle sur les côtés. Et est-ce qu'elle Il faut pas capte? passer derrière. Non, Et pour moi, faut pas et passer derrière. ouais, et à la différence de certains autres systèmes, pareil, c'est très mauvais à l'arrière. Donc. Façon, souvent, elles sont sur tes lunettes, donc elles sont devant toi. Et quand tu passes derrière, bah, tu passes derrière ta tête. Et comme ta tête, le corps humain, il est à je sais plus combien de 90% d'eau ou je sais plus Ouais. quoi, bah, à travers l'eau, ça passe pas le 90 quand même. signal. Donc c'est ça. Et 8. 8. 8. Ouais.
Ouais, et alors un autre truc, faites-moi plaisir. Quand vous volez avec des patchs sur vos lunettes, volez pas avec la tête vers le bas. Ça, il y en a beaucoup. Ils ont une omni, une patch. Alors c'est très bien. L'omni, faut arriver à ce qu'elle soit au-dessus de la tête. Parce que le corps, ça, comme on l'a dit, ça bloque énormément les ondes. Donc votre antenne de réception au-dessus de la tête, s'il vous plaît. Et alors, donc on mixe une antenne omni qui va capter de manière uniforme partout autour de nous, et une antenne patch qui va capter fort devant nous. Mais si vous baissez la tête, ben vous captez, en fait vous captez le sol et vous êtes dans le nul de l'antenne patch, donc en fait elle sert strictement à rien. Donc, il faut savoir, pour augmenter la qualité de réception, la hauteur va jouer énormément. Il faut qu'au moins un des deux éléments soit en hauteur. Il faut soit que l'émetteur, soit le récepteur soit en hauteur. Donc votre drone en hauteur vaut assez bas, et si vous volez à basse altitude, c'est de pas être trop assis, trop affalé. Parce que vraiment, en RF, c'est une des règles de base. C'est pour ça que vos GSM, pour que ça capte, enfin, c'est émis depuis un satellite ou une antenne qui est en hauteur. C'est pas un truc qui a la même hauteur que vous. Donc plus vous êtes bas et affalé, plus vous allez perdre du signal, que ce soit le signal vidéo ou le signal du drone. Enfin voilà. Et n'affalez pas, si vous avez des antennes patch, n'affalez pas votre tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben qui dit patch, c'est un signal directionnel, et une stubby, c'est un signal diffus. Alors une stubby, c'est juste une antenne omni dont on a coupé le fil. C'est encore différent. Enfin, c'est la même chose, mais c'est différent. Donc voilà. Donc ça, c'est une stubby. Mais c'est tout simplement, c'est la même antenne que ça, C'est une sauf antenne qu'il... normale plus courte, c'est tout. Voilà, donc... En théorie, une stubby, t'auras une moins bonne réception que cette antenne-là. Parce qu'elle est plus proche de ta tête, donc elle sera plus vite impactée. Mais c'est plus pratique à ranger. En Belgique, un observateur est juste observateur. Ah mais Rotor Effect, c'est Starn. Starny, t'es avec nous? Ouais, donc en Belgique, le spotter, il peut être juste spotter. Ah ouais, sauf Bon que ben voilà. si se fie sur la base de la législation européenne, c'est pas le cas, il me semble. Pas en Belgique, il te dit. Non, c'est à toi qui réponds, c'est pas à moi. Rako, il a le pack Beta FPV Advanced avec le Meteor 75, le masque Beta FPV, les antennes bâton de base. Il faut mettre une patch ou laisser comme ça. Moi, si j'étais toi, je laisserais comme ça. Parce que le kit Advanced de Beta FPV, d'ailleurs, il y a le nouveau kit qui va sortir. Il y a la vidéo qui va sortir. On a une vidéo qui va sortir d'ici 2 jours. Donc, les lunettes. Pom pom pom. Tac. Donc, voilà, ça, c'est le nouveau kit qui va sortir de chez Beta FPV. Hein, c'est le Cetus. La vidéo sortira d'ici un jour ou deux. Et ça, c'est l'ancien kit. Il y a les antennes bâton, comme tu dis. On appelle ça des antennes fouet ou des antennes quart d'onde. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élément actif, en fait, il fait le quart de la longueur d'onde qui nous intéresse, mais bon, soit. Mais ça s'appelle une antenne fouet ou une antenne quart d'onde. De nouveau, là, telle que c'est mis, c'est très mal mis. Il faut pas les mettre parallèles, il faut les mettre à 90 degrés l'une de l'autre. Et ça, par contre, pour l'avoir eu en main, je pense pas que ce soit un vrai diversity. Donc, ce n'est pas réellement deux récepteurs, c'est juste mis deux antennes et les deux antennes vont sur le même récepteur. Donc, c'est une espèce de triche que les constructeurs ont fait. Hein, comme ça a une bonne gueule, ça a l'air d'être un diversity. Et en réalité, c'est juste deux antennes qui sont mises connectées au même point, si tu veux. Moi, si j'étais toi, je mettrais pas des antennes différentes là-dessus parce que tu vas commencer à. Enfin, je vais pas commencer à te parler d'impédance, mais l'impédance des deux antennes sera pas les mêmes, du coup ça va faire n'importe quoi, donc je pense que ça va faire pire que mieux. Garde les deux antennes et mets-les à 90 degrés l'une de l'autre, et essaye de garder la tête bien haute et de voler un peu plus haut si jamais ça glitch. Regarde si l'antenne de ton drone, où est-ce qu'elle est, si tu peux pas la dégager un petit peu plus. Ouais, trop pourri pour changer de chaîne. Je t'emmerde. C'est pas marqué diversity sur le masque. Non, c'est pas un diversity. Si c'est pas diversity, non, ça sert à rien de mettre deux antennes différentes, le faites pas. Vaut mieux mettre, faut mettre deux antennes les mêmes parce qu'elles sont raccordées au même endroit.
Donc tu vas, voilà, pour parler un peu plus technique, tu vas mélanger des impédances et du coup ça va faire des trucs bizarres. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon on va tout doucement clôturer. Parce que là ça glitchait à 60 mètres. Failli m'endormir. Ouais, je pense qu'on va clôturer tout doucement. Bah voilà. Un tout grand merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé. Toi, Steve, tu t'es bien amusé? Oh bah c'était bien. On était plus de 8, donc ça va. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais un peu peur de venir. On va se retrouver. T'auras séché la discothèque pour deux pélos. Ouais. Quatre pelés et deux tondus, comme on dit chez nous. Bon, mais voilà, un tout grand merci à nos spectateurs. Donc n'oubliez pas Ah oui, de vous abonner attends. à Noob FPV parce que vous avez une clé de 14 à gagner. Non, il faut encore que tu tires, faut que tu tires au sort le gagnant. Ah non, c'est Marlon Brando, c'est ça? Non, lui, il a gagné la petite poupée là sur le. Ah, Ah mais ouais. Marlon Brando, t'as gagné la petite poupée. Et donc C'est Yoshi. c'est Yoshi, C'est Yoshi. ceux qui s'abonnent à la chaîne de Stever et qui like le groupe Noob FPV, vous avez une clé de 14 à gagner. Donc voilà, un tout grand merci à ceux qui nous ont suivis, un tout grand merci à ceux qui étaient dans le chat, tout grand merci à toi Stever, mon acolyte, qui me suit Merci à toi. depuis le début. Il était fâché contre moi tout à l'heure, parce qu'il était fâché, je sais pas. Ah Aujourd'hui, bon? il avait pas envie, il a dû mettre un pantalon et tout ça, et il voulait pas, alors qu'on ne voit Ouais, même en plus, pas, en j'ai plus on même ne pas voit même montré mes pas. cuisseaux. Non, mais c'était au cas où la cam tombe, parce que si tu voyais comment elle tient. Tu veux pas nous montrer juste comment elle tient? Juste, Ah, t'as je pas peux mal. pas, c'est la caméra. Comment tu veux Tu que je mets te un montre comment elle miroir. tient? Tu mets un Ah, miroir, tu mets ton miroir. GSM. Attends. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est trop le bordel. Bon voilà, tout grand merci à tous de nous avoir suivis. Si on a oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la taper en commentaire. On essaiera, si c'est un format qui vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à taper un petit pouce pour dire à YouTube que c'était de la merde ou pas. Et voilà, si c'est un format qui vous a plu, peut-être on essaiera de faire ça de manière plus régulière. Peut-être sortir Oui, pourquoi ça. pas, parce que là je vois qu'il y a Sortir. d'autres questions, mais on répondra aux autres questions, on fera un petit live et puis on répondra aux autres questions qui sont passées. Voilà. Ouais. Voilà, peut-être que ce serait intéressant. Dis-nous ce que vous en pensez, si c'est intéressant que ce soit un format un peu régulier, une espèce de petit Q&A qu'on pourrait faire peut-être une fois par mois ou j'en sais rien. Selon Ouais. la flemme de Stever, selon ta Bon, une quantité fois. de Bah, pantalon. quelle flemme, quel enfoiré celui-là. Le mec il me prévient à 20h qu'on fait un live à 21h. Je l'ai on même pas. Ouais. Bah, aujourd'hui il a balancé sa publi dans Noob et je l'ai appris à ce moment-là. Mais non, je t'avais prévenu avant. Ouais, Bon, ça mytho. va. Allez, bah, un tout grand merci à tous. Passez Ouais, bonne soirée à tout le monde.